Dans l'édition 2023 de la cérémonie du Ballon d'Or, deux étoiles du Real Madrid ont brillé de mille feux. Jude Bellingham et Vinicius Jr. ont été honorés pour leur performance exceptionnelle. Jude Bellingham, ce prodige du milieu de terrain qui fait la fierté du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, a décroché le trophée Copa 2023. Ce prestigieux trophée est décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans. Il succède ainsi à Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone, qui avait remporté le trophée Copa en 2022. Gavi avait lui-même succédé à son coéquipier Pedri, lauréat du trophée Copa en 2021. Quant à Vinicius Junior, il a été honoré du prix Socrates. Ce prix prestigieux est décerné lors de la cérémonie du Ballon d'Or à des footballeurs qui font preuve d'un engagement indéfectible envers la charité et les projets sociaux. Vinicius Junior a été salué pour son travail remarquable avec l'Instituto Vini Junior, qui favorise l'épanouissement et l'éducation d'enfants défavorisés. Le prix Socrates a été décerné pour la première fois en 2022. Le premier lauréat de ce prix fut Sadio Mané, le capitaine des Lions de la Teranga et joueur du Bayern Munich à l'époque. Il a été récompensé pour ses actions autour du football au Sénégal. Il a notamment été salué pour avoir construit de nombreuses infrastructures, comme un hôpital, ainsi qu'une école et une mosquée dans sa région natale de Bambili.